Yes Man Challenge pour Lilia. Bon, déjà, on commence bien. Il y a un petit colis qui est arrivé. Ça y est, mes chéris, on arrive chez Jiffy. Jiffy de Jenny. Ça rime. Un petit peu d'espoir. Le monsieur là, je sais pas ce qu'il a, il nous suit. Elle charge. Je veux prendre ça pour les bombes à eau. Punaise, il y a le toboggan. Bienvenue pour blaguer. Alors, direction les bouées. Tout le monde mord sa langue, il y a une guêpe. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous. Ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est en fait un Yes Man Challenge pour Lilia. Voilà, aujourd'hui, je lui dis oui à tout, elle va passer sa belle journée, juste à condition qu'elle soit courageuse. Elle doit se faire arracher deux dents. Trois dents, parce qu'en fait, j'ai une carie. Mais qui bouge, mais j'ai pas envie que maman me l'arrache parce que sinon ça fait mal du coup. Faut l'arracher. Maman, elle la compte pas, mais si, en vrai, c'est une dent arrachée. Après, j'ai les deux canines parce qu'en fait, elles sont pas encore tombées, les dents définitives, elles poussent comme ça. Voilà, donc du coup, il faut faire enlever les dents. On n'a pas le choix. Elle stresse. Elle a pleuré ce matin à la maison, mais je lui ai dit ça ne sert à rien de stresser. Il y a pire dans la vie et il faut se dire que ça est mal pour un bien parce que si elle laisse comme ça, vu que les dents sont en train de pousser comme ça, ça va lui faire mal. Donc tu vas vivre cette journée spéciale, Lilia, avec Monia. On dit oui à tout. Voilà, aujourd'hui, Lilia, c'est la reine. Je lui ai promis une big command chain plus et on mange où on veut, on fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, c'est elle qui décide tout. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente, partage cette vidéo. Et si tu ne suis pas encore sur tous nos réseaux sociaux, c'est par ici, un seul pseudo, Molly Mof. Abonne-toi partout pour ne rien rater. Et active la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on poste une vidéo. Voilà, maintenant c'est parti, on est devant chez le dentiste, on rentre. Parce qu'on ne vous a pas dit, on anticipe, on a pris du bain de bouche pour pas que ça saigne. Et du coca pour le goût du sang. Voilà. Le sang, mais c'est moi, je vais le terminer. Aujourd'hui, c'est big journée. Allez, on y va, elle va être courageuse, ma fille. Elle n'a pas le choix. Il rentre, mais le coca, on va le mettre dans ma poche, non ? Ça y est, on est sorti. Elle a ses petits pansements. Elle a pleuré, elle a crié. Et une fois qu'elle sort, elle me dit, j'ai pas eu mal. Donc voilà, c'est fait. Le mauvais moment est passé. Maintenant, elle est libérée. Il n'y a plus de dents enlevées. Il n'y a plus de caries. Il n'y a plus rien. Voilà. Moi, du coup, tu n'as pas eu mal, il n'y a pas de Yes Man Challenge. Et bon, vu qu'elle a pleuré, je ne sais pas si elle mérite son Yes Man Challenge, parce que c'était à condition d'être courageuse. Et là... Là, elle a la bouche endormie, elle a les lèvres endormies. Mais du coup, et du coup voilà, on attend un petit peu. T'as envie de faire quoi du coup? Tu veux manger où? En sachant qu'il faut manger quelque chose d'un peu mou, elle a dit. Elle a pas parlé. Choisis. Je sais pas. Hein? Elle sait pas. Et ouais, c'est bon. Faut attendre un petit peu, mais dans une heure, tu pourras manger. Hein. Mmh. Ça va aller. Je confirme. Au bout de sa vie. Bon, déjà, on commence bien. Il y a un petit colis qui est arrivé. On commence bien la journée de Lilia. On va vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. On va enlever les pansements là, ça y est. Qu'est-ce qu'on a dans ce joli colis? Tu nous montres? On enlève le pansement, non? Alors, on a ça. Une machine. Tu peux l'ouvrir? C'est quoi ça? C'est une machine. Lego. Ah ouais. Ah vas-y, oui, voilà. Tu la montes là. Elle est trop kawaii. Regardez-la, elle, avec son doudou. Mmh. Ah ouais, ah, mais c'est une machine en Lego, carrément. Il va falloir la monter. Oh là là, le travail, là. Bon, moi, c'est... on a trouvé que c'était un truc que tout monter, ouais. Après, il y a quoi? Il y a du boulot, la machine. Un éventail. C'est bien, tu vois, de se faire arracher des dents. Oui, il est joli. Ouais. J'aime. Il est trop beau. Merci. Ensuite, on a enlevé les cotons, qu'elle puisse parler un peu quand même tout doucement, mais on dirait que tu as fait des injections aux lèvres. On a des bandeaux trop kawaii. Il est trop mignon. Il est trop kawaii. Qu'on va laisser comme ça pendant que je vous présente. Tout ça. J'adore. Il est trop kawaii. Ensuite, une brosse comme ça pour une skincare. Encore, on en a, ouais. Mais bon, on n'en a jamais assez. Non, on a 280 des trucs comme ça et non, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, ce qui est gay, c'est qu'on n'a pas ça là. On n'a pas de ça là. Voilà. Voilà. Je voulais en commander un. En fait, la dernière fois, je l'ai commandé un et t'as rupture de stock. Ah ah, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça?
un gua sha. Tout à l'heure, un gua sha. Mini, mini. Moi, je suis pas tu pourras rentrer dans le... Moi, c'est quoi, pourquoi c'est pas la tête, ouais. C'est plastique. Mais c'est pas grave, c'est le massage qui compte. Ouais. C'est le... Oh, mais c'est la fraîcheur aussi, quand même. Mais je pense que c'est frais, si tu le mets. Ils sont trop mignons, violets, comme ça. Mais dans mon mini-frigo. J'adore. Elle a un peu de mal à parler, parce qu'elle a endormi. Oh, on peut jouer avec. Les épaules en cœur, c'est trop mignon. Oui, pour prendre des en forme de cœur. J'aime trop. Lui, je vais piquer, il est énorme. J'ai regardé déjà. Pendant qu'elle a enlevé tes petits pansements là. Oh là là. Il est énorme. Il est énorme. On en a pas des gros comme ça. Je vais le prêter. Il est énorme. Ah, plus gros que ta tête. Regarde, mets-le dans ma main. Compare, regarde, à la paume de ma main. Il fait quasiment la paume de ma main. Il fait la paume de la main à... Prête, moi, tu vas le voir. Mon lien, il lui plaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Là, cette petite commande. Je savais pas que c'était le flamme. Oh, plus, oui. Et en fait, c'est pas assez petit que tu l'as commandé. Bah, si. Non, mais après, il y a le roux. Mais en fait, je savais pas qu'il y avait du slime. Et ils font le slime. Du coup, j'ai voulu tester, j'en ai pris deux. J'ai pris un rouge comme ça. Il est pailleté ? Ah non. Oh, il y a des petits trucs dedans. Il y a des pastèques. Ah. Il sent la pastèque. Je vais te dire, moi, il sent la pastèque. C'est mon fruit préféré. Ah, oh, il y a une grosse pastèque dedans. Ah, mais c'est trop mignon. Attends, montre. Il a pu. Attends, je veux le toucher. Ah, il est trop bien. Ah ouais. Moi, je veux toucher, moi aussi, je veux toucher. Attends. Et la matière, elle est trop bien. Ça, c'est les matières que j'aime. Voilà. Les autres, là, qui collent, j'aime pas. Lui, il est. Il est beau, hein. Attends, je vais voir. Donne vite fait. Ah, mais l'odeur, elle doit être. Mais j'adore. Il sent, hein. C'est pas matière. Quand même. Ah si, il sent la pastèque, hein. Non, c'est la matière. La pastèque chimique. Il est trop bien. Lilia, elle est slime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, je te le range, t'inquiète. Des galons, je me demande que je vais tester de mettre des galons sous mon lit. Comme ça. Des guirlandes en nuages. Et en dernier. Regarde. Encore un slime. Ah, il est vraiment trop beau. Il est beau. Ah, lui, il est trop beau. Trop kawaii. Je m'arrête. Il est un peu sec au niveau de la... Attends. C'est un... C'est un Kirby. Oh, c'est un Kirby. C'est quoi? Non, c'est un petit chat. C'est ah ouais? C'est un squishy. C'est un squishy dans le slime. Ah non, c'est... Tu sais, les trucs qu'on met au bébé, là, dans le bain. Tu vois? Il y a quoi? Il y a des paillettes? Il y a quelque chose dedans? Oui. Tiens, slime. Tiens, il y a un slime. Il est trop beau. Il est bien transparent. Lui, je suis sûre que tu mets un poil dedans, t'es dégoûté. Ah ouais, faire attention de ne pas mettre des peluches. Ça, c'est le truc que tu mets dans les bains. Il s'étire bien, hein. Il y a un collier pour mettre à mon chat. Ah. Un collier au chat. Au truc, et oui, là, non. Je sais pas, il y a un collier. Une bague en perles, non. C'est ça. Une bague en perles, non. Mais non, on dirait les colliers que je mets à mes Barbies. Non, mais je sais pas. Regarde, c'est truc qui est dans le bain au bébé, c'est pas un trop cute. Je sais que j'ai pas. Ça plairait à Hermès, c'est ça. Hermès. Non, arrête, tu vas le tuer. Je sais, je vais te... Non, c'est pas pour toi, Hermès. Passe. C'est bon? Oh, j'adore la matière. C'est une queen. Bon, je voulais l'amener manger dehors, mais là, à midi, il faut manger pas trop dur. Donc, on verra ce soir ce qu'on mangera. Là, on va sûrement se faire une petite purée ou un truc comme ça. Et puis on va monter ce truc là. Vas-y, je t'aide si tu veux. Ça va être quelque chose, ça. Les filles, elles ont commencé à monter le truc. Voilà, on est là. Ça a mis au moins franchement une heure. Hein. Non, c'est pas là en fait. Ça s'est tout monté. Là, il y a une pièce qu'on sait pas où c'est qu'elle va. Ah, en fait, ça c'est des pièces. Genre, oui, tu mets là. Oui, c'est pour ça que je les ai gardées. C'est trop bien fait quand même. Mais c'est fait exprès. Et en fait, c'est une machine à quoi que. Et pourquoi il y a ces pièces là? Tu dois attraper les trucs à l'intérieur comme à la foire là. Oui. Regarde, t'as même là qui. Et pourquoi c'est ça en plus? Allez, pour bien terminer cette journée, je viens d'avoir une idée. J'ai dit, idée de folie. On va voir s'il y a des toboggans gonflables ou des trucs comme ça, big oui. Party dans le jardin. Moi, je vais garder les perles pour des bracelets parce qu'il faut des belles perles en l'air. On va faire le plein de bouées, de jeux gonflables, voir tout ce qu'il y a de pour rajouter là-bas. On va faire péter la carte bleue, maman. On va faire péter la carte. Yeah. Encore. Ça y est, mes chéris, on arrive chez Jiffy. Il va déjeuner. Ça rime. Ça dérange. Tout ce que je fais, ça dérange. Critiquer, ça les démange. C'est trop chaud. Voilà, on arrive à Jiffy.
Ah, il y a la repérée un fauteuil. Alors, on l'avait vu chez Action, elles veulent trop les filles. Oh, il y a l'air d'avoir des jolis trucs. Chez JP, regardez. Bienvenue pour blaguer. Alors, direction les bouées. Je fais plein de rimes en ce moment, je sais pas ce que j'ai. On n'est pas venu pour blaguer, direction les bouées. Voilà, au vif du sujet. Oh, c'est trop bien. C'est dommage parce que je ne sais pas y jouer. Bon, en fait, c'est ça. Ce petit truc là, ce petit truc. Et ces deux petits trucs là. Parce que moi, c'est petit truc. Même Lilian. On va devoir faire un autre magasin. Après, il y a des trucs de glisse, mais je sais pas comment on va faire. Et ce qu'on a trouvé, c'est le jeu qu'on a fait dans la vidéo des dimanches. C'est le gruyère. Allez, on achète. On achète, on achète, on achète. J'y vais. Ah, elle s'est chargée des trucs. C'est quoi? Eh oui, Yes Man Challenge. Alors, ils vont un sac. Yes Man Challenge. J'ai pas le mien, du coup, j'en ai fait comme ça. Une gourde, comme ça, parce qu'elle est trop belle. Ça pour faire des bracelets, des liens, tout ça. Et ça, c'est une grosse pâte slime. Okay. Et moi, j'ai pris une gruyère parce que je suis une grosse gamine de 3 ans. Mais on le voulait trop ce jeu. Franchement, ouais. Non, il y a une grosse gamine de 3 ans. Oh, waterproof. Un appareil photo waterproof. De waterproof pour quand je regardais la mer avec papa. Il est trop beau en plus, c'est trop kawaii. Mais ça se développe comment? Faut les amener. Pellicule aux couleurs incroyables. Mais j'ai commandé la caméra là, comme la GoPro. Mais là, c'est. Pour faire des photos. C'est pour faire des photos kawaii, tu vois. Merci. Le Yes Man Challenge, c'est pas pour toi, c'est pas toi qui t'es fait arracher les dents. C'est ta moi, soeur, quand hein. J'ai mis mes bagues, personne m'a rien offert. Hein. Ouais. Pourtant, je te fais plus que elle. Hein. Moi, j'ai failli faire des malaises. Alors voilà. Hein. C'est la vérité. Hein. Là, elle a essayé les chaussons, elle a dit c'est pour toi. Pourquoi c'est pour moi? Parce que t'aimes les chaussons. Là, c'est des chaussons qui lavent les pieds. Ils lavent les pieds. Oui, regarde. Avec le truc, c'est les chaussons de spa, non? Je sais pas, moi. C'est des chaussons spirituelles. Spirituel. Si, c'est spirituel. Tu marches avec et tu te sens mieux, regardez. Un petit peu d'espoir. Le monsieur, là, je sais pas ce qu'il a, il nous suit. Je sais. Il nous suit, le monsieur. Je sais, attends, je vais y aller. Oui, un coup d'alter. Un coup d'alter. J'ai cru qu'il allait sortir, j'ai rien de coupé. Mets-lui un coup d'alter, Monia. Vas-y, Monia. Crotte alors. Elle charge. Tu veux prendre ça pour les bombes à eau? Ouais. Merci. Non, c'est toi, t'as prendre des trucs comme ça ou des trucs comme ça? Est-ce qu'on peut prendre du chewing-gum? Faire une guerre. Ok, merci. Et ça, c'est pour faire des cartes. Ok. Merci. Ah, moi aussi, je veux. Oh, vas-y. Un truc comme ça, non, plutôt? Vas-y, mon poutre bazooka. Un bon bazooka. On prend. Ah, le gros là, le funny, il est grave funny en plus. Funky. Oh là, il y en a deux. Oui, alors est-ce que je l'ai. Avec le nom, non, peut-être. Donc là, on est passé vite fait chez Bazarland, il vient d'ouvrir. Et bien sûr, Olivia, elle est dans le. Kawaii. À la barbe à papa. Ah, c'est Puchine, non? Ah non. Non. Ah, je pensais, parce qu'on dirait un peu le dessin qu'il y a sur les emballages Puchine. Comme des choux. Comme des choux, la trousse. Ouais, mais ça sent mauvais. Il y en a toujours. Ouais, je sais, mais moi. Direction le magasin de piscine, on va peut-être trouver un toboggan ici. On désespère pas. On désespère pas, on garde la foi. On veut un toboggan de piscine. On est. Content de son timer. Oui. On est motivé de la tête aux pieds. Motivé de la tête aux pieds. Oulala, là là, c'est dangereux. Oulala, là là, c'est du verre, non, en plus. On veut pas ici, je sais pas où c'est qu'on va trouver. Je vais voir tomber les lunettes. Je veux la le gorille. Regardez, je vais. C'est pas moi qui ai gagné à l'euro million la semaine dernière. Je vais une belle grille. Attends, regarde, regarde le gorille. De son nez, il sort. Ah oui, jette. Attends, on le voit pas. Le gorille. Voilà. Il jette du nez. Lia, elle a trouvé un truc, mais ça ira pas dans la piscine. Hein. Mais si, c'est bien ça. Ouais. Maman, il est plus lourd. On va quand même voir si on trouve mieux. Parce que, quand même, il est pas gonflable le parterre. Oh, punaise, maman, il y a le toboggan. Le toboggan. Mais bon. Lui, tu le mets où? Je peux pas le mettre ça. Je peux pas l'adapter ça à côté. Monia, il y a la plateforme, c'est pour les piscines qui rentrent dans le. Genre. Là, on a trouvé. Alors, ça, mais je sais pas si ça va tenir sur le bord de ma piscine. Moi, je dis, on le met dans la piscine. Dans la piscine. Blotté. Mais il a l'air large, il fait combien? Il fait 3,10 m. Il fait 3,10 m, il fait la piscine quasiment. Il y a même les petits jets, gars. Il est trop bien. Vraiment. Avec le petit truc de. Il coûte 109 euros. C'est moi, j'ai demandé. Maman. Je suis trop fière de moi. C'est moi, j'ai demandé. Bon, on est mardi. On est en plein ménage. Monia, elle fait l'aspirateur, elle veut pas filmer sa tête. Je sais pas ce qu'elle a d'habitude, elle assume. Matin, par matin, maquillage, par maquillage. Là, voilà. Là, c'est trop là. On n'a pas trouvé le toboggan, les chéris.
On n'a pas trouvé le toboggan. Ouais, tata Emma, elle assume. Tête du matin, pas de maquillage. Qu'est-ce que je suis coiffée? Tu me racontes avec ma pince. Je ne suis pas coiffée du tout. On la voit pas ta pince. T'as l'air au milieu. C'est propre. C'est qui? Moi, j'assume. Assume. Assume. Assume, j'ai dit. Donc, nous sommes mardi. Nous continuons cet incroyable épisode de l'incroyable famille Molliem. Et je me suis dit, on va leur partager ça aussi. Parce que c'est vrai, on n'a pas à filmer que les activités. Le matin, on fait notre ménage comme tout le monde. Voilà. J'ai pas de femme de ménage. Comme ça. Je me suis mis à la pointe des pieds. Voilà, j'ai pas de femme de ménage. Hein, je repasse mon linge, je fais mon ménage. Ma fille m'aide tout le temps. Donc, je sais pas si vous aidez vos mamans, mais il faut aider. Voilà, pour moi, c'est important de leur apprendre à faire le ménage, à participer. D'ailleurs, avant la reprise de l'école, on va se refaire un big ménage de la chambre. Vous voyez, le grand, grand ménage qui vous avait tant plu. On l'a fait il n'y a pas longtemps. On l'a fait... Pas dans la vidéo YouTube, hein. Non, non, le grand, grand ménage. J'avais fait le grand, grand, j'avais tout enlevé. Elle n'a pas compris, c'est quoi le grand, grand ménage. Lilia, elle a rangé un petit peu là sur le canapé, elle joue à Toca Boca. Rien fait du tout, oui. Je passe mon temps sur Amazon et sur Internet à essayer de trouver un toboggan qui pourrait s'adapter à ma piscine. Et en plus, devinez quoi, la pompe nous a lâché. Il faut que j'achète une pompe pour la piscine. Là, la tonta. Hola, comment allez-vous? Vous avez des jolis ongles, mademoiselle. Merci. Donc voilà, maintenant nous sommes mardi, on va partager notre mardi. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Attendez, je vous montre. Le temps, il n'est pas ouf, mais ça se découvre. Donc s'il fait beau, on va partir dans les jeux aquatiques. On a un lac avec des jeux aquatiques, je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? C'est très bien, j'adore. Bon, je te laisse finir ton ménage. Merci. Enfin. Fais ça bien. Après, oui. Tu vas m'aider à faire ma chambre? Oui. Me vois dans le miroir. Allez, let's go au lac. On va faire les jeux là qu'il y a sur l'eau. Et du coup, ben, on vous embarque avec nous. Voilà, vu qu'on n'a toujours pas trouvé de toboggan pour la piscine de la maison. On va au toboggan. On va au toboggan dans l'eau. Voilà. On a de la chance parce que le soleil est sorti. Ça y est, on est arrivé. On va faire les jeux. Au début, on s'est trompé. On est allé dans un autre lac. Sous les conseils de mademoiselle Clara, qui nous a dit non, il ne faut pas aller à ce lac. Voilà. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça ici. Voilà. Donc, on arrive à peine. Ça fait peut-être une heure et quart qu'on roule. Voilà. C'est pas mal, hein. Il est 4 heures, on arrive. On est parti à 3 heures. 4 heures et quart, il est. Tu vas le faire, ça va? Tout le monde mord sa langue, il y a une guêpe. Apparemment que quand on mord la langue, ça crée de l'électricité statique et ça éloigne les guêpes. T'as pas peur, Monia? La mytho, mais c'est une grosse. Non, maintenant j'en ai plus peur. J'ai peur que des trucs à deux corps. Une mouche. Elle est là. Non, t'es derrière toi. C'était une mouche. C'est compliqué pour moi de mordre ma langue. Eh ouais, il te manque des dents. Comment goûter? On s'est fait reconnaître par des abonnés. Et Clara. Ça fait quoi d'avoir une copine star? Ah, c'est incroyable, franchement. C'est gênant. C'est ce que les abonnés lui ont dit. Ah ouais, moi voilà. Petit goûter et après on va au toboggan. Regardez les deux folles, elles sont là. J'attends qu'elles aillent vers le toboggan, comme ça je vais vous les filmer au toboggan. Attends, attends. Là on a Monia qui s'élance avec Clara, on dirait qu'elles vont monter le mur de je ne sais où. Et je leur ai demandé de faire le toboggan avec la tête la première en glissant, mais elles n'ont pas voulu. Elles m'ont dit non, non, ça fait trop peur, ils descendent trop vite. Aujourd'hui, c'est journée plage avec les cousines d'Haute-Savoie. Il y a du sable. Alors, je vous présente Soumeya, alias Soussou. Voilà, alias Soussou. Que vous avez déjà vu dans les stories Snap si vous nous suivez sur Snap. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, est-ce que vous pourriez faire une vidéo YouTube avec les cousines? Ah ouais? Eh oui. Il y en a aussi qui m'écrivent, est-ce que c'est vrai que Soumeya et Laïna, c'est vos cousines?
Donc ils doivent être d'autres savoirs. C'est ses copines, non hein? Ses copines à l'ail. Voilà. L'ail. On est à la plage. Ça va parce qu'il n'y a pas grand monde. Bah moi ça. Donc on est tranquille et on va manger. On a Lilia. Lilia. Mets les pour les ballons. Ah pas vu. Bon, on se retrouve dans la salle de bain, on est en train de se préparer et je vais coiffer les filles. Je me suis dit, vu qu'ils aiment les tutos coiffures de Tata Emma, je vais vous filmer la coiffure que je vais faire à Monia. Donc ça va être une coiffure attachée étant donné qu'elle a les cheveux sales. Voilà, et c'est un petit peu gras, donc on va voir sur quoi on part. Et ensuite, je coiffe Lilia. Lilia a son idée, donc, elle a des idées. Ouais, Lilia a des idées, Monia n'a pas d'idée. Je sais pas. Donc soit je fais une grande couette tresse avec les rajons, on regarde ce qu'on a. On a beaucoup. Donc on se retrouve dans la chambre. Donc je vais commencer par lui faire l'arrêt au milieu. Ensuite je vais lui laisser les deux mèches de devant que je prends. Tout ça? Ouais. Après. Mais non, ça. C'est pas tout ça. D'accord. Voilà. Vous voyez, elle a toujours besoin de moi. Même quand elle me coiffe, elle a besoin de moi. Une assistance. Attends, assistance du coup. On s'assit parce que j'étais trop grande. Mas grande. Tu as des Espagnols qui nous suivent. Ouah, le pchipchit, il a fait un vol plané. Il a fait tout le couloir. Mon pchipchit préféré, ma brosse favorite. Je vais pchiter un peu tout ça. Il y a la parole de son pyjama. En haute. Hein? Il y a la parole de son pyjama. Voilà, je pchite tout. Ça, c'est la super coiffure de l'été. Je vais venir tout tirer en arrière. Ça y est, là, on a mis l'élastique. Vous voyez, ça fait une couette bien haute. Et on va venir prendre tout ça. Donc là, on prend les mèches comme ça. Et on va venir les faire un peu se mettre dans les cheveux. Hop, comme ça, on garde la petite raie. Et on les met avec la couette de derrière. Meilleure technique pour faire cette coiffure. Tu mouilles. Tu veux que je te mouille un peu? Si tu veux, vas-y. Elle a mouillé plus mon bras que ses cheveux. Pour ça, j'ai mouillé tout mon visage. Et on remet notre élastique. Donc là, ça y est, on a tout tiré bien comme il faut. Et on va venir faire une grande tresse. On va rajouter des cheveux. J'ai mis où les cheveux? Là-bas. Mes cheveux sont moitié bouclés, à moitié lisses. Vous voyez là, ça a fait des bosses, mais c'est pas grave. C'est le côté pas parfait. Donc on a ces cheveux de chez Chine aussi. Ils font les paquets comme ça. Et on va venir les mettre dans la c'est là pour ouvrir. C'est là pour ouvrir. Là, on va faire une longue tresse. Donc là, je vais vous montrer comment je rajoute les cheveux une fois que je tresse. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser juste une petite mèche d'en dessous que je vais venir après enrouler pour cacher l'élastique. On met la tête un petit peu en arrière, chérie. Voilà. Et là, je commence à faire ma tresse. Comme ça, hop. Une fois que j'ai tressé comme ça, je fais ça. Et là, tu vas me donner une mèche. Celle-là, on la laisse ici parce qu'on la garde pour après. Vas-y. Comme ça? Oui. Vas-y, tire-toi. Puisque moi... Donc là, j'ai ma mèche. Et ma mèche, en fait, je viens la mettre sur mon pouce. Vous voyez, comme ça, je la pose. Et là, j'attrape comme ça. Et je viens... continuer à tresser. Ça, je vais le faire plusieurs fois là parce que je veux que la tresse soit bien épaisse jusqu'en bas. Donc, je retresse un petit peu et j'en remets une. Je m'en donne une encore. Mm-hmm. Et toujours, quand vous mettez votre pouce là, ben, vous suspendez votre mèche. Vous voyez, comme ça. Et comme ça, après, quand vous continuez à tresser, vous avez vos cheveux qui sont bien placés. Hop. Hop, et on continue de tresser. Et en fait, ça, on le fait sur toute la longueur. Redonne-moi en une. Vous voyez, là, c'est le cheveu de Monia qui est en train de terminer. Et après, je continuerai avec la fausse tresse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de wax, du truc à Monia, là, pour fixer les cheveux ensemble. Vous voyez, j'en mets un peu là comme ça. Hop. Pour pas qu'ils sortent de la tresse, ces cheveux.
Mais là, j'avais tressé jusqu'en bas. Vous voyez ? Ouais, ça fait une tresse belle. Donc là, on a fini notre tresse. Regardez comme elle est trop belle et elle est super longue. Voilà. Et là, on va prendre cette mèche. Donc, toi, tu vas me tenir la tresse, Monia ? Je tiens tout, moi. Parce que là, il y a des petits cheveux. Je prends la wax. Je viens mettre comme ça sur la mèche, vous voyez. Hop. Je prends mon peigne. Hop. Et là, ce que je fais, c'est que je vais venir enrouler le cheveu autour de l'élastique. Comme ça. Oh, ça tire. Ah ouais? Dans la nuque. Mais c'est parce que tu tires la tresse, la couette. Voilà, et maintenant, je vais prendre des pinces à chignon et je vais fixer tout ça. Regardez comme ça fait trop joli. Regardez, j'ai enroulé, j'ai mis les petites pinces à chignon. J'en ai mis une ici et une de ce côté. Et ça fait, voilà, ça fait ça. Oh, je me donne. C'est trop joli. Donc, Lilia, elle veut deux couettes derrière, un peu façon jasmine. Donc, on va faire ça. J'ai fait l'arrêt au milieu. J'ai séparé les cheveux en deux. Maintenant, je mouille. On va mettre des bijoux de cheveux. On va mettre des bijoux de cheveux aussi. Voilà, donc je plaque tout en arrière. Je vais m'asseoir parce que sinon, je suis prête. Donc, voilà, on a fait les deux couettes. Elles sont derrière. Pareil, je lui mets un peu de wax. Parce que moi, les petits cheveux, ils sortent. Comme Monia, pour bien fixer. Les cheveux, c'est de la cire. C'est toi que ça est trop beau. Soit vous commandez ça sur Shein. Mais bon, je sais que quand on l'a partagé, Monia a mis la référence. Le soir même, elle est en rupture de stock sur Shein. Tout le monde s'est jeté dessus. Donc, les boudins de Jasmine, on prend des petites élastiques comme ça, là, vous voyez. Et on va venir les mettre un peu partout sur la tresse, enfin sur la couette. Parce que j'ai la tresse. Je fais la tresse à Monia, donc du coup, maintenant, je dis sur la tresse. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je serre un petit peu. Et ici, je viens écarter le boudin pour que ça fasse un peu boule. Et je fais pareil partout. On va finir là les petits boudins. Du coup, moi, je vais ajouter des trucs comme ça, dorés. Je les ouvre et je les mets sur l'élastique. Ici. Voilà. Ah ouais. Tellement épais qu'en fait, un ne suffit pas. Du coup, j'en mets deux, regardez. Parce que... C'est ça, hein, quand on a les cheveux trop épais, on peut pas rentrer un tout petit anneau. Ils sont très petits, les trucs. Donc en fait, je vais les cheveux épais, mais... J'en mets un comme ça. Et derrière, il se ferme pas. Du coup, j'en prends un autre. Ça, c'est bien parce qu'on en a plein. Et, oh, Mania, tu peux me le ramasser, s'il te plaît. Je vais te montrer. Et je le mets, du coup, là où il y en a pas. Ça va tenir, hein. Vu que dans le premier, t'as vu, il est pas trop tellement épais. Voilà. Elle insiste, elle les veut, voilà. Elle veut que ce soit sur les boudins. Et c'est toi qui fais pas tes boudins. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est qu'en haut, il est très épais. En haut, il est plus épais que... Ok, bon. Qu'en bas. Hein. Trop beau. Regardez. C'est Jasmine. Ah, c'est doré, c'est trop trop beau. Voilà le résultat de dos. Donc là, du coup, on a dû en mettre deux. Vous voyez, on les a mis un sur l'autre. Voilà, on va bien plaquer le devant des cheveux. Et Lilia, elle est prête. Voilà, elle est contente. Sa coiffure lui plaît. C'est trop beau, c'est brillant. Voilà, dites-nous si vous vous aimez. Allez, maintenant, on va aller faire des courses. Et on vous embarque avec nous selon ce qu'on fait. Quitte le repris des Donc voilà les chéris, ça y est, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'est la première fois, je vous dis au revoir sans Monia et Lilia, mais comme elles ne sont pas là, je n'ai pas le choix. Je désespère pas pour la piscine, je cherche mon toboggan à piscine, je vais le trouver. Je le veux, je l'aurai, donc je continue mes recherches sur internet, mais je vais trouver une solution. Ce qui veut dire qu'il y a une big pool party qui arrive bientôt, puisqu'on a acheté au max de bouées. Voilà. Bon, en ce moment, il y a beaucoup de vent, donc c'est compliqué, mais la pool party arrive. Donc voilà, je vous dis à mercredi pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous êtes régalés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye !